Alors pour démarrer, on va partir un peu au large, on fait déjauger la planche, voilà, là je mets un pied dans les straps, ça y est, je suis au planning. Donc, tout de suite ça accélère. Ah, j'ai mis le deuxième pied. Voilà. Tout de suite on met la planche, la voile sur le pont. Voilà. Et on navigue. Alors on peut voir au loin les kitesurfs là-bas qui sont sur leur spot. On va aller faire un tour. Donc quand c'est tram comme ça, on monte à plus souvent. On fait des bords beaucoup plus longs que quand c'est marin. Parce que quand c'est marin, le vent nous écarte. Alors que là, on remonte, on sait que s'il arrive quoi que ce soit, un accident, une casse de matériel, on retournera au bord rien qu'avec la dérive. On voit comme là, par rapport à tout à l'heure, le vent est nettement remonté. Voilà, c'est la tramontagne, hein, c'est pas... Ça monte, ça baisse. On va essayer de faire notre demi-tour. On taille le jibe. Bon, là, je suis avec mon flotteur le plus volumineux fait 125 litres. Ça tourne pas comme la petite planche. Un peu plus lourd, ça fait un peu plus camion. Et ça permet de tenir des plus grosses voiles. Naviguer comme aujourd'hui avec une 7 mètres. Donc là on va retourner sur la coude à l'air. De degrés d'écart.
J'ai sur un max, je peux me mettre dans l'eau avec les lunettes. Oh, ces gros flotteurs là, enfin ça fait 2,60 m et 125 litres. C'est quand même bien moins vif que mon petit flotteur de 90 litres. Enfin, ça permet de naviguer comme là, hein. Alors qu'avec l'autre, je serais limite. Alors ici, il y a une école de kitesurf. Je suis en train de perdre de la vitesse. Voilà, j'accélère, je suis dans le panning à la planche.